Rebonjour mes beautés, j'espère que vous allez bien. On va directement commencer notre belle recette de savon et vous allez voir que c'est très facile. Donc vous allez prendre deux belles carottes fraîches que vous allez bouillir avec de l'eau tout simplement et vous allez prélever à peu près cette quantité que vous allez bien entendu mixer. Même si vous n'avez pas un mixeur à la fourchette, ça va vite parce que c'est déjà tout tendre, donc ça va hyper vite. Donc voici notre purée de carottes qu'on va mettre de côté. Donc ensuite, il va nous falloir du curcuma. Alors le curcuma, vraiment, si vous ne connaissez pas encore en cosmétique, c'est un très très bel ingrédient pour une peau glowy, pour une peau vraiment éclatante. Donc voilà. Ensuite, vous allez prendre votre macérat que vous avez déjà fabriqué, j'espère bien. Je ne peux plus rien faire sans ce macérat qui est juste une tuerie, honnêtement, sans blague. Donc voilà, donc ça me servira de base d'huile. Donc je vais prendre à peu près 40 ml, mais si vous n'avez pas de macérat, huile, vous pouvez prendre de l'huile d'orange, l'huile de carotte ou alors de l'huile d'olive. Ensuite, vous aurez besoin d'une cuillère à soupe de miel et d'un demi-citron. Voilà, un demi-citron, c'est à peu près une cuillère à soupe aussi. Hein. Donc voilà, je vais mélanger mon miel et mon citron et pareil, je vais mettre à côté. Donc voilà notre petit mélange déjà prêt. Ensuite, il vous faudra des huiles essentielles ou alors des fragrances. Ici, là, je vais prendre que des fragrances, donc la vanille et du patchouli. Comme je travaille en parfumerie, c'est vraiment l'association des malades. Ça sent super bon, n'hésitez pas. Sinon, vous prenez des huiles essentielles. Alors, vous pouvez voir, comme vous pouvez voir, vous pouvez faire votre savon vous-même. Vous n'avez plus besoin de passer par la phase de saponification. Vous achetez seulement une base de savon. Et celle-ci, je l'ai trouvée chez Aromazone. Donc, c'est 500 grammes que vous allez prendre, émietter un tout petit peu et laisser fondre au bain-marie ou au micro-ondes. Moi, je me suis servi du micro-ondes parce que ça va vite. Donc, vous contrôlez histoire que ça ne boue pas. Hein. On veut vraiment juste faire fondre le savon une fois qu'il est fondu. Il redevient liquide. C'est à ce moment-là qu'on va commencer à faire nos ajouts. Pour cela, vous allez prendre votre huile que vous allez mettre. Voilà. Alors, l'idée ici, c'est vraiment de le rendre un peu surgras pour des peaux à problème, pour des peaux plutôt sensibles. Le surgraissage dans un savon est très important parce que grâce à cette huile, on vient adoucir un peu le savon et du coup, il est moins asséchant parce que la plupart des savons sont très très asséchants. Et comme c'est une huile aussi stratégique, l'huile, elle va aussi agir dans la peau, aller attaquer les taches, le teint terne et puis voilà. Alors, je viens rajouter ma purée de carottes. Vous savez, la carotte, elle est riche en bêta-carotène et donc elle est très riche en vitamine C. Donc, ce qui va faire qu'on va chercher vraiment à avoir un teint très lumineux. Et alors, je viens rajouter du curcuma. Vous savez, le curcuma n'est pas seulement un épice, ça s'utilise beaucoup en cosmétique. Donc, il est anti-inflammatoire, pardon. Donc, tout ce qui est taches, boutons, acné, ça va vraiment jouer histoire de jouer son rôle anti-inflammatoire, de cicatriser aussi. Et du coup, comme il y a aussi de la curcumine dans le curcuma, il aura aussi ce petit côté glowy, d'où sa couleur un peu orangée. Derrière, je viens rajouter mon citron et mon miel. Le miel, il est antibactérien. Le citron, il est éclaircissant dans le cadre de clarification. Donc, on est là pour clarifier le teint et non éclaircir le teint, comme d'habitude. Ensuite, vous venez rajouter votre extrait de vanille, votre parfum de vanille et votre parfum de patchouli. Et je peux vous assurer que votre savon est ready, il est prêt. Très honnêtement, si vous ne voulez pas vous embêter avec le procédé de la saponification, la fabrication du savon, je vous conseille d'acheter des bases de savon et de faire vos petits mélanges histoire d'utiliser vos savons à gogo. Ça marche relativement bien. Beaucoup de personnes le font, donc en plus là il y a zéro risque pour vous et le savon il est prêt tout de suite. C'est-à-dire vous faites aujourd'hui, le lendemain vous pouvez utiliser le savon, alors que dans un procédé de saponification standard il faut attendre 6 semaines pour commencer à utiliser vraiment le savon. Donc là je remélange bien le tout histoire vraiment de tout mélanger et que tout soit incorporé dans ma base de savon. Vous prenez un moule plutôt en silicone ou alors si vous n'avez même pas de moule, peu importe, pour un tupperware ou un contenant ou des pots de yaourt, ça fera office de contenant et vous mettez votre savon dans le moule histoire de le laisser refroidir et donc redurcir à nouveau pour épouser la forme que vous aurez choisie. Donc, comme je vous le disais tantôt, en 24 heures, normalement votre savon est redevenu solide. Alors, vous pouvez ne pas l'utiliser tout de suite, hein, sachant que vous pouvez l'utiliser tout de suite, il n'y a pas de souci. Mais moi, quand j'ai utilisé ce savon tout de suite,
il était pas complètement ferme en fait. Donc voilà. Si vous le laissez genre 2-3 jours de plus, votre savon sera vraiment dur et beaucoup plus ferme que à la sortie de notre mélange en fait. Mais peu importe, c'est votre savon à vous. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez à la maison. Ici là, c'est un savon qui va être très très efficace, qui va vraiment se stabiliser, qui va se conserver très longtemps. Vous n'avez pas besoin de faire des ajouts parce que le savon a déjà été fabriqué. Donc tout ça a déjà été fait. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cibler votre besoin, c'est-à-dire vos imperfections, votre teint terne, votre teint relativement sec. Donc pour les peaux sèches, c'est très bien. Même pour les peaux grasses, le fait que le savon soit sur-gras est génial parce que vous envoyez tout simplement une information aux cellules d'arrêter de fabriquer l'excès de sébum et que vous leur apportez du gras nécessaire dont elles ont besoin. Et du coup, voilà, les cellules fabriqueront moins de sébum et vous allez profiter des bienfaits des huiles végétales et surtout de l'huile de carotte, papaye, ananas, qui est très riche en acides de fruits et du coup qui va combattre le teint terne. Donc voilà notre savon, des petits cœurs, franchement c'est trop mignon et ça se prend facilement à main. Sincèrement, j'ai fait déjà cette recette. Moi j'ai fait ce savon il y a peut-être 3 mois, voilà, un peu plus même d'ailleurs. Et du coup, comme ça a bien marché, je viens partager avec vous, mais je voulais déjà comparer un peu mon savon à moi et ce savon, j'ai envie de vous dire. Pour des novices qui n'avaient pas l'habitude et surtout qui ne voulaient pas prendre de risques de manipuler les produits, partez plutôt sur ce style de fabrication plutôt que de partir sur une saponification standard qui nécessite un peu de technicité et un peu de connaissances quand même parce que c'est quand même assez dangereux. Donc voilà, je vous montre vite fait hein, comment ben, je l'utilise, hein, rien de bien spécial. Je voulais juste vous montrer que quand on va faire des savons de façon artisanale, et généralement, ces savons, ils ne moussent pas comme des savons industriels parce que on n'a pas rajouté des tensioactifs. Ce sont les tensioactifs qui vont fabriquer la mousse et vous donner cette impression que c'est très mousseux, que ça lave bien. En général, ce n'est pas parce qu'un savon mousse qu'il lave. Les savons artisanaux lavent mieux que les savons artificiels, ça c'est sûr et certain. La sensation de mousse que vous avez l'habitude, c'est juste une question d'habitude et du coup, voilà. Même si vous désirez avoir cette mousse, vous avez des mousses qui sont déjà aussi en vente que vous pouvez rajouter dans cette préparation, histoire de votre superbe mousse. Mais moi, à ce niveau, le savon mousse très bien. La mousse me suffit et je vous assure que le toucher est tout doux et tout lisse et il n'est pas sec. Vous savez, quand on sort de la douche, surtout avec l'eau de France, le calcaire de Lyon, la peau elle est agressée tellement elle tiraille avec le calcaire. Et là, avec un savon sur-gras, votre peau elle est déjà pré-hydratée, donc il n'y a pas de sensation de tiraillement, il n'y a pas de sensation de sec à la sortie du bain. Donc je vous conseille vivement ce petit savon qui est un vrai petit bijou comme d'habitude. Il a fait ses preuves. Maintenant, je me suis lancée moi-même dans ma fabrication des savons, donc de A à Z. Donc voilà, il fait le job, il est super bien. J'ai utilisé, je l'ai ramené d'ailleurs à ma mère la dernière fois, elle a kiffé. Du coup, elle me demande tout le temps des petits cœurs. Bon, enfin, des petits cœurs, elle parle de son savon, bien entendu. Allez, on arrive au terme de notre tutoriel. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à reproduire la petite recette qui est facile et vous trouvez tous ces ingrédients chez Aromazone, comme ça vous ne prenez pas la tête à chercher à gauche à droite. Mais sinon, faites le macérat de carottes, papayes, ananas, mangue. Je ne m'arrêterai jamais de vous le demander. Allez, je vous adore mes cocottes, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. Bisous tout le monde, ciao.